Allez, Frick, il en est à 8 sur 11. Et Manu Felta qui préfère tirer pour le point. Et bien ça compte. Et Manu Felta, ça fait que deux fois qu'il tire dans cette partie, 1 sur 2. Et ce point-là, il est important parce qu'il dépend d'une main de 5 points. Donc. C'était important de marquer. Allez, Bodigno 7, Feltin 2, on va jouer la 8ème main. Et vous êtes des leftos hein, sur la web télé Boulistenaut, puisque vous êtes déjà 5000 à nous suivre sur les différents supports pour ce parti. Alors c'est vrai que c'est un choc, hein. Vous avez évidemment reçu les petites alertes. Et puis en plus avec ce magnifique carré d'honneur là qui nous est proposé. C'est vraiment un très très bon travail hein, ici à Ouja pour... Poumembras Philippe, venir chercher les numéros. Par notre ami Pierre et toute son équipe. Donc pour information, pour le Grand Prix, le tirage est en train d'être affiché sur les panneaux. Et ces installations sont vraiment top de ici pour la 126. Web télé Boulistenaut. Vous le verrez avec la caméra à l'opposé, surélevé, à l'abri, beaucoup de place. C'est un plaisir hein, vraiment de venir ici à Ouja, d'être accueilli comme ça. C'est un plaisir aussi de voir tirer Myron Bonino. Hein. Pour l'instant, c'est 11 sur 12. Quasi parfait. Et le voilà, Philippe Chenot, le coach hein, qui suit cette équipe de France Espoir. Il est très attentif ici dans le coin du terrain. Il n'hésite pas hein, à aller le consulter si besoin. Parce qu'on rappelle cette petite règle, hein, c'est les joueurs hein, qui vont éventuellement poser les questions. C'est pas le coach hein, qui intervient. Alors c'est moins tranchant, mais ça compte hein, pour Bodino qui continue son festival. 12 sur 13 pour l'instant. On le voit, la domination là, de l'équipe de France Espoir, parce que Moino Fetter, on est à la 7ème main, il a tiré que deux fois dans la partie. Alors, c'est sûr que quand un milieu pointe autant et tire aussi peu, ben, ça montre qu'on est tout le temps en défense. Et pour l'instant, c'est l'équipe de France hein, qui met sa patte sur sa partie. Alors rien n'est fait, attention, hein, on a deux très belles équipes sur le terrain, mais pour l'instant, c'est à deux, c'est les Français qui mènent. Ah, il a pris contre Fabien Sauvage. 4 sur 7 pour Fabien Sauvage. Et on va contre-attaquer évidemment, parce que là on en a marre de prendre des frappes. On veut les rendre. Oh voilà, super, magnifique. Belle réplique là. La proposée par Lionel Zanet et boum, ah oui, là celui-ci il est parfait. Alors 3 boules donc à 2 pour le Bodino, 2 points pour les adversaires. Les tirages sont affichés et c'est repris une nouvelle fois. Les équipes qui se sont fait rajouter après le tirage donc vont jouer sur le terrain 90, le 769 contre le 880. C'est pas cadré. Terrain 91, le 881 contre le 882. Sur 92, Frick, là, il y a vraiment le 883 contre le 884. Au niveau du tir, 93, pour l'instant, le 885 au niveau contre du point, le 886. Bastien, 94, vraiment le 887 contre le 888. Et il continue. Le terrain 95 contre le 889. Terrain 96, le 891 contre le 892.
C'est une mène quasi parfaite, hein. Aucun déchet. On a gagné, on a frappé. Et dans ces cas-là, eh ben, c'est le celui qui a pointé en qui a joué en deuxième dans la partie, ben, qui a la boule de marque. Et ben, c'est le cas. Flavien Sauvage, impeccable.